À propos du conflit commercial sino-américain, le gouvernement chinois a déclaré qu'il soutiendrait les entreprises qui importent des produits agricoles américains tels que le soja et le porc. Le gouvernement a aussi déclaré que la commission du tarif douanier continuerait d'exclure ces produits de ces taxes imposées aux produits américains. Cette évolution survient alors que les États-Unis ont récemment publié trois listes comprenant plus de 400 types de produits chinois exemptés des droits de douane supplémentaires. Les pourparlers commerciaux entre la Chine et les États-Unis ont repris en septembre, signe d'une atténuation des tensions. Les négociateurs des deux pays se retrouveront bientôt à Washington pour poursuivre leurs discussions.